Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, bienvenue au potager qui dit non. On va s'intéresser aujourd'hui à une plante ornementale, l'hydrangea, et notamment l'hortensia. On va commencer par lever quelques méconnaissances ou quelques idées reçues au sujet de ces hydrangea. Si je ne taille pas mes hortensias, je n'aurai pas une belle floraison. C'est complètement faux, bien sûr. La taille doit répondre à des objectifs bien précis chez tous les arbustes. Les hydrangeas n'échappent pas du tout à cette règle. Mais on peut observer effectivement des hydrangeas qui ont strictement besoin d'être taillés chaque année pour fleurir correctement. C'est le cas par exemple de l'hydrangea paniculata. Parmi les plus connus, on peut citer le vanillifraise par exemple. Cet hydrangea a absolument besoin d'être taillé chaque année pour proposer sa plus belle floraison. Il est possible de faire passer les hortensias du rose au bleu. C'est tout à fait vrai. Plusieurs méthodes pour ça. On va les aborder un petit peu plus loin dans la vidéo au niveau des conseils de culture. Les hortensias sont des plantes de terre de bruyère. Il faut absolument acidifier le sol. Alors là, c'est complètement faux. Les hortensias ne sont pas des plantes de terre de bruyère. Les hortensias sont calcifuges. Donc un excès de calcaire leur sera préjudiciable. Mais en aucun cas, il ne faut les cultiver dans une terre de bruyère, à 100% en tout cas. Un sol légèrement acide leur conviendra très bien. Mélanger de la terre de bruyère au substrat de culture, à la terre en place ou au terreau en place, ça sera très bien. Mais en aucun cas, uniquement de la terre de bruyère. La terre de bruyère est beaucoup trop pauvre pour satisfaire les besoins alimentaires des hortensias. Alors les hydrangeas les plus connus sont l'hydrangea macrophylla, le fameux hortensia donc, bien sûr. Les hydrangeas arborescences, parmi lesquels Annabelle est sans doute le plus représenté. Les hydrangeas paniculata, notamment le cultivar vanillifraise. L'hydrangea anomala petiolaris, autrement appelé hortensia grimpant. Celui-ci peut monter à une quinzaine de mètres et il est idéal vraiment pour habiller un mur situé au nord et à l'ombre. L'hydrangea aspera, l'hydrangea serrata, l'hydrangea involucrata et enfin l'hydrangea quercifolia ou hortensia à feuilles de chêne. Si vous avez pour ambition de tailler correctement vos hydrangeas, il convient avant tout de distinguer les modes de floraison. Parlons d'abord de ceux qui fleurissent sur le bois de l'année en cours. Ça va être le cas de l'hydrangea arborescence par exemple. On rabat les branches les plus fortes à un quart de leur longueur et on supprime les brindilles à la base. Alors ici je suis en présence d'hydrangea arborescence Annabelle, avec un petit peu d'ailleurs de ces bulbes printaniers qu'on appelle Chionodoxa luciliae devant, ils sont magnifiques. Ces hydrangeas ont été correctement traités puisqu'ils ont été retaillés ici en fin d'hiver. Les nouvelles pousses ici porteront les fleurs. On ne les taille pas trop court, sinon on a des très longs rameaux. Et c'est une plante qui a tendance à verser sous le poids des fleurs. On verra à la fin de la vidéo d'ailleurs comment essayer de gérer ce problème. Chez l'hydrangea paniculata, on rabat les branches les plus fortes à 2 ou 3 yeux. Et là encore, on supprime les brindilles. Attention toutefois, certains cultivars d'hydrangea paniculata, notamment parmi les plus précoces, font exception à cette règle et se taillent comme des hydrangea macrophylla. Viennent ensuite les hydrangea qui fleurissent sur le bois âgé d'un an ou plus. Chez l'hydrangea macrophylla, on supprime le vieux bois, les fleurs fanées sont supprimées également au printemps, on ne raccourcit pas les rameaux ou alors très très peu. Bien, alors je me retrouve ici devant des hydrangea macrophylla. Le copain qui me donne accès à ces plantes va encore rigoler parce que je parle latin, n'est-ce pas? Bon, c'était assez drôle d'ailleurs parce que je lance un peu un appel au copain. Est-ce que vous avez des hortensias? Mon copain Ronin donc me répond favorablement. C'est pour les tailler. Je dis non, c'est pour venir ne pas les tailler. Tu veux venir mais pour ne rien faire. Enfin, pourquoi tu viens? C'est un peu... Alors, c'est pas tout à fait exact, je viens de les examiner, on va quand même intervenir un tout petit peu, mais vraiment le message est le suivant, ce sont des plantes qui fleurissent sur le bois de l'année précédente, et donc il convient en effet
En tout cas, de ne pas les tailler tous les ans, ça c'est sûr. Et dans le cas de ceux-ci qui sont âgés d'une vingtaine d'années, hein, c'est ça, voilà, une vingtaine d'années à peu près, bon, on constate un petit peu de bois mort d'une part, et puis aussi quelques rameaux un peu vieillissants. On peut se permettre, sur des beaux arbustes comme cela, d'en supprimer 2-3 à la souche, hein, vraiment à la base de la plante, de manière à favoriser le départ de jeunes pousses depuis la base, puisque c'est une plante plutôt basitone, donc qui va avoir une tendance naturelle à repercer de la souche et puis à reproduire de nouveaux rameaux depuis cette souche. Voilà. Donc on va essayer de les nettoyer un tout petit peu, mais vraiment, hein, de manière très 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 légère. Hein. Je vais peut-être supprimer 2 ou 3 branches, là, voilà, comme celle-ci ici, qui est assez vieille. On voit que le bois est assez gros. On voit que l'écorce commence à se desquamer un peu, hein, aussi. Ça, c'est un signe de d'âge, hein, un petit peu pour le rameau en question. Et puis on voit aussi à la base, hein, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, on voit aussi à la base les futures pousses qui sont prêtes à prendre le relais, quoi. Voilà, donc une intervention tout en légèreté, on touche presque pas à ces Hydrangea macrophylla. Voilà, donc ici sur cette hortensia, je vais aller couper ce rameau ici à la base. Attention, il y a des orties. Oh, trop tard. Voilà. Voilà. Une vieille branche qui portait rien, sauf à l'extrémité, et encore pas grand chose. Et un petit peu de lumière du coup qui se crée, et ça va repartir de l'intérieur nettement mieux. D'une manière générale, de toute façon, ce que j'ai pas dit, mais je peux le dire aussi dans ces termes-là, il faut pas trop descendre, hein, de toute façon, quand on taille sur les autres rameaux, parce que la floraison se fait toujours sur le dernier quart, hein, le dernier tiers, voire le dernier quart des rameaux, quoi. Voilà. Si on descend trop bas, on perd la floraison à coup sûr. Ah, ça c'est mort, un petit peu de bois mort, voilà. Voilà, bon, voilà, ça c'est des choses évidemment. Voilà, on veut encore une à retirer. Alors du coup, on fait une petite trouée ici. Ça peut paraître un peu violent. Mais on peut observer, on voit très bien ici, là, voilà, une très très jeune pousse qui va prendre le relais, quoi. Voilà, le bois est bien marron, hein, on est sur du bois très jeune. Et ça, c'est un rameau qui va assurer l'avenir de la plante, hein. Voilà, donc le travail de nettoyage un petit peu de ce vieil hortensia qui a été pas si mal suivi que ça, hein, sur ces 20 ans. Simplement, il y avait beaucoup de suppression de bois mort. Pour vous donner une idée, voilà tout ce que j'ai enlevé, à peu près, hein. Il y en a encore même un peu là qui traîne. Encore une fois, des très vieilles branches comme celle-là, il vaut mieux les supprimer au profit de rameaux beaucoup plus jeunes. Voilà, encore une fois, en voilà un ici, on a un autre derrière, il y en a 2-3 que je vois là-bas également qui vont prendre le relais et garantir une certaine longévité, encore une fois, à ce bel hortensia, quoi. Chez les Hydrangea aspera, Sargentiana, Villosa, on va supprimer le vieux bois. Les fleurs fanées sont supprimées également, mais on ne raccourcit pas les rameaux. Voilà, je me retrouve donc ici face à un Hydrangea sargentiana. Il a donc développé ses pousses sur le bois de l'année précédente. Hein, le bois de l'année précédente, le voilà. Et puis, les pousses assez longues d'ailleurs, qui portaient les inflorescences qui sont aujourd'hui fanées. Donc, concrètement, on ne va pas le tailler. Il suffira simplement de supprimer les inflorescences fanées au sécateur. Et puis sur les nouvelles pousses, comme celles que je vois ici, eh bien les nouvelles inflorescences seront portées, hein, puisqu'il s'agit du bois de l'année précédente. Voilà. De temps en temps, là ce ne sera pas nécessaire avant un bon moment, mais de temps en temps, on pourra supprimer à l'intérieur vraiment le plus vieux bois
au profit de plus jeunes pousses qui prendront le relais, quoi. Mais à ce moment-là, on sait qu'on supprime un petit peu de floraison et la suppression de ce plus vieux bois se fait quand même plutôt proche de la souche, hein, de la plante. Chez les Hydrangea serrata, c'est la même chose. On supprime le vieux bois. Les fleurs fanées sont également supprimées au printemps. On ne raccourcit pas les rameaux. De même que chez l'Hydrangea involucrata ou chez l'Hydrangea cercifolia, qui lui d'ailleurs peut fleurir sur du bois de 2 ans. Ici donc un Hydrangea cercifolia. On voit bien les jeunes feuilles en train de se développer. Et là encore, on a une plante qui fleurit plutôt sur le bois de l'année, voire même sur le bois de 2 ans. Donc, il est urgent de ne pas y toucher, hein, en fin de compte. Et là encore, on peut voir à l'intérieur des rameaux assez jeunes, finalement, qui se développent. Et peut-être qu'avec le temps, ici c'est un arbuste qui ne pose pas de problème en termes de contraintes, hein, de passage, notamment contraintes de gabarit, mais peut-être qu'à un moment on sera amené à rajeunir un petit peu cette plante et on exploitera à ce moment-là les jeunes pousses qui redémarrent plutôt de la base et on supprimera de manière sélective quelques vieux rameaux dans la plante, bien entendu cette fois encore en renonçant du coup à une partie de la floraison portée par ce bois. Cultiver les hortensias en situation ombragée ou avec le soleil direct, mais le matin uniquement ou alors tout à fait en fin de journée. Avec de la patience, l'ardoise pilée incorporée au substrat peut vous aider à faire bleuir vos hortensias. Le plus rapide consiste sans doute à avoir recours à l'alumine, qu'on appelle encore sulfate d'aluminium, que l'on va apporter très régulièrement, environ une fois toutes les 2 semaines, dès le démarrage de la plante, en arrosage, hein, mélangé à l'eau d'arrosage. Attention toutefois, seules les hortensias roses peuvent bleuir et ça ne fonctionne qu'en présence d'un sol suffisamment acide. De manière assez évidente, donc si l'eau d'arrosage, notamment l'eau du robinet, est très calcaire, cela peut faire obstacle au bleuissement des hortensias. Pincez les Hydrangea arborescens en cours de croissance avant le développement des boutons floraux pour éviter à leur tige fragile de verser sous le poids des fleurs. Conservez les fleurs fanées tout l'hiver si vous le pouvez sur les Hydrangea, sauf si vous constatez une pourriture ou un champignon quelconque qui se développe, par exemple. Ces fleurs fanées protégeront vos hortensias contre les fortes gelées. Pensez à pailler vos Hydrangea, optez pour un paillage organique ou minéral, pourquoi pas, en évitant toutefois les pierres calcaires qui vont remonter le pH de votre sol. Enfin, au printemps, si vous constatez que vos Hydrangea paniculata démarrent avec un petit peu de retard par rapport à d'autres, ne vous inquiétez pas, c'est une espèce un petit peu fainéante, hein, qui va, à l'instar des hibiscus par exemple, démarrer assez tard par rapport à d'autres arbustes. Tout va bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à très bientôt au potager Quilino.